Hey, salut les amis, bienvenue sur Steamyland, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de Planète Base. Vous êtes prêts? On y va! Ok, alors, lors du dernier épisode, nous avons construit quelques structures supplémentaires pour produire de l'électricité, notamment... deux éoliennes que j'ai été mettre je ne sais plus où ici. On en a prévu une autre ici encore. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a reçu des colons, nous sommes maintenant 62 et nous sommes en train de construire l'entrepôt qui est à côté de la serre rouge. Ouais, on va l'appeler comme ça. Alors, petit tour au niveau des repas, ça manque encore, malheureusement. On a vraiment des problèmes d'entretien aussi, apparemment. Ok, donc nos ingénieurs font la gueule. C'est dommage, mais ils n'ont pas le choix. Il faut travailler. Je crois qu'on a demandé plus d'ingénieurs. Hein. On va vérifier, mais il me semble que c'est ça. Combien tu prends? 35. Ah ouais, bah ça vaut le coup. Hop. On va voir jusqu'à combien ça monte avec les repas. 370. Est-ce qu'on peut? En gardant quelques médicaments, bien sûr. Ah ouais, quand même. Comme ça. Ah, il va y avoir un paquet de boulot au niveau du commerce. Ah ouais, c'est grave là. Un ingénieur, heureusement qu'on a un sas là-bas. Faut faire très très attention qu'il se perde pas. Donc on va désactiver également les pistes qui ne servent à rien. Oh là là. Alors, un truc qui pourrait être intéressant maintenant qu'on commence à avoir du monde, ce serait de se construire un petit télescope pour voir les tempêtes arriver à l'avance, parce que là ça commence à y voir un petit peu de distance en fait lorsqu'on veut que nos ingénieurs aillent réparer quelque chose. Et là dans son cas lui, sa santé Oh, deux robots sont trop endommagés. On a perdu deux robots? Je sais pas combien on était en fait. Le moral est très très faible. Bon, ça c'est sûrement à cause de ça, du coup. Le mec est bloqué en pleine tempête. Aïe aïe aïe. Ok, donc là il me semble que c'est bon. De ce côté là il n'y en a pas. De ce côté là il y arrive. Allez! Yes! Ok. La tempête va se terminer que je suis encore en train de désactiver des structures. C'est vraiment histoire de faire le maximum d'économies d'électricité.
Même si c'est pour peu de temps, nos accumulateurs sont pleins, je sais pas pourquoi je m'inquiète en fait. On réactive tout et on enlève l'alerte puisque ça a l'air d'arriver à la fin. Yes! Tempête terminée. Et du coup, bah, je vous passe la fin du commerce. Allez, c'est parti, on a récupéré quelques repas supplémentaires, c'est bien. Au niveau des pièces détachées, alors est-ce que ça manque par là? Non. Là, on a une structure endommagée, ça va. Et là, on n'en a aucune. Donc ça va, la tempête a pas trop fait de dégâts. À part ici, donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse désactiver, celle-là? Ouais. Celle-là, c'est pareil, on va enlever la priorité. On va laisser surtout là-bas où ça produit plus de nourriture. Ça va être très important et eux, du coup, ça va leur faire un tout petit peu moins de travail. Pareil, du coup, pour les ouvriers, je vois qu'ils font un peu la tête. Du coup, on va enlever le minage dans les priorités. On va enlever ça aussi. En termes de métal, on a ce qu'il nous faut. De toute façon, ils vont continuer à travailler, il n'y a pas de raison. Mais ils n'auront pas de priorité. Et au moins, on aura une partie, et pas les moindres, puisque c'est le nombre de personnes qu'on a en plus grand nombre. Au sein de la colonie, ce sont les ouvriers. Et le fait qu'ils n'aient aucune priorité, fait qu'ils vont aller se détendre un petit peu. Voilà, ils vont profiter des deux multidômes que nous avons, du bar, etc. Et à part les ingénieurs et les biologistes, il y en a qui font moins la gueule. Les ouvriers vont aussi être chargés de venir terminer l'approvisionnement des... Oh là là, les robots, c'est nul. Dommage qu'il n'y a pas de mode sur ce jeu. J'aurais bien aimé juste un petit mode qui permet que les robots tombent jamais en panne parce que ça coûte tellement cher à acheter et ça nécessite tellement de ressources à fabriquer. Enfin, des ressources assez précieuses, on va dire. Quoi ? Fonderie de silicium, on fabrique du silicium, vous vous rendez compte ? Alors, c'est peut-être parce qu'on a terminé la structure là, non ? Ouais, 1 et 2. Voilà, donc ils savent plus quoi faire du métal, donc enfin, on fabrique du silicium et on va peut-être pouvoir fabriquer des armes. Yes! Alors, au niveau de la nourriture, on a l'air d'avoir encore des petits soucis. Hein. Alors, celui-là est en train de se faire réparer. Toi, tu t'en vas où, du coup? Au sas. Mais t'étais destiné à aller... T'en vas à l'atelier, donc... Construire des pièces détachées, du coup. Et est-ce qu'on a un métal qui peut être amené ici? C'est dommage. On aurait pu finir l'entrepôt, ça m'aurait arrangé. Alors, le silicium, t'as fini? Toujours pas. Ah, c'est long à construire, cette chose-là. Alors, c'est soit il va partir là-bas, ou là. À ce moment-là, ce serait dommage, parce que fabriquer un robot porteur, ça va être utile, mais moins que d'avoir des armes. D'ailleurs, on va désactiver celle-là pour être sûr. Et ce serait bien qu'il puisse fabriquer ça aussi, donc... En attendant, j'aimerais bien qu'on puisse construire l'atelier pour le robot. Allez, t'arrêtes pas avant la fin. Yes, ça a été fabriqué. Donc tu vas le mettre où? Réparateur de robot. Yes. Tu le fabriques? Non. T'es trop énervé. Nos robots vont enfin pouvoir aller se fabriquer, c'est génial. Donc on va désactiver l'atelier de fabrication de robots, ça c'est sûr. Tout un... Atelier, ouais.
fabrication de pièces détachées reste assez important. Ouais, il nous faut vraiment des ingénieurs en plus. J'ai mis quoi? Ingénieurs et biologistes. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et au niveau de du moral, ça remonte, je vous avais dit, hein, le fait d'enlever la priorité ici, déjà, je suis sûr qu'ils vont pas s'en occuper, tout ça, ça va devenir rouge à terme. Là, bah du coup, tout a l'air, voilà, en bon état. Tant mieux, parce que il le faut, ça va nous produire assez pas mal de nourriture. Je réactiverai bien cette structure. On va essayer de fabriquer davantage de repas. Et du coup, ouais, voilà, les ouvriers vont vraiment être peinards. Et vu que c'est eux qui sont en plus grand nombre, ils vont nous faire remonter notre morale. Ouais, j'aime bien. Donc maintenant, voilà, les robots viennent se fabriquer tout seuls. Enfin, se réparer tout seuls. C'est ça que je voulais faire. Bon, ça se répare moins vite que si un ingénieur était en train de le faire, mais au final, voilà. C'est quand même pas mal. Et là, on fabrique du silicium encore. Ah, il y a du silicium qui a été mis ici. Donc si on pouvait juste rajouter un métal alors qu'il a été mis là-bas, c'est un petit peu débile. Je suppose que celui-là va être mis là, à espérer. Et on pourra enfin fabriquer une arme. Ce qui serait pas mal quand même, moi je dis. Donc on voit que nos ingénieurs ont quand même le temps de venir bosser un petit peu par là. Puisque ça, c'est pas prioritaire, mais on a quand même beaucoup d'ingénieurs, de biologistes. Alors, on pourrait compter à peu près combien il nous faut de biologistes, si on dit qu'il en faut un par 6, 12 déjà ici. 12 plus 6, plus 12. Ouais, plus 16, ouais, il faut vraiment beaucoup. Alors, est-ce qu'on a les moyens? On peut monter jusqu'à 170 là déjà. Hop. Ah, on a les moyens. Dommage, du coup, on n'a pas les moyens de racheter deux robots fourreurs, ça m'aurait arrangé. Alors si on fait l'inverse, qu'on prend les deux robots fours, ah ils sont vraiment très chers, donc non, on va acheter le silicium, je pense que ça peut être pas mal et au final ça va faire un petit peu moins de commerce. Tac, nickel. Et ben on se retrouve tout de suite. Ok, ben, ça a été rapide en fait. Et voilà des colons, ou un seul, je ne sais pas. Mais un, ce serait déjà pas mal. Un, c'est déjà pas mal. Biologiste, s'il te plaît, ou ingénieur, de toute façon, peu importe, ça va m'arranger. Ah, un de chaque. Magnifique. Donc on a Cole, alors ça, je sais pas comment prononcer son nom, là, du coup, qui est biologiste. Et un ingénieur. Cleveland. Ok, vous avez vraiment des noms trop bizarres. Eh ben, bienvenue quand même à vous sur la base F50. Merci de votre présence, merci de venir nous aider dans cette période difficile. C'est vraiment très utile ce truc quand même. Alors, oh, regardez, on fabrique une arme. Alors, merci à toi, parce qu'en plus t'es fatigué, Veta Grant. Décidément, tu reviens assez souvent.
dans les remerciements, très cher Veta. Merci à toi pour ton investissement au sein de cette colonie. Tu auras le droit à une ration de nourriture supplémentaire. Oh, la nourriture. Oh là là, ça le fait pas du tout. Peut-être c'est le fait que j'ai retiré les structures à production rapide qu'on avait là. Peut-être qu'au final, il nous fallait surtout plus de biologistes. Et un petit peu moins de structure lente. Donc comment on fait? Est-ce qu'on remet des structures Ah, je sais pas. Production 64, ça monte pas vite. Donc, toi éventuellement t'arrives bientôt à la fin. Ah, nous avons notre entrepôt, génial. Donc faut faire gaffe du coup maintenant à la production d'électricité. Ouais, c'est bon. À l'électricité maintenant qu'on a toutes nos structures. Ça se passe plutôt bien, il n'y a pas grand chose à réparer. Faut dire qu'on utilise énormément de métal pour la production de pièces détachées. C'est pas très intelligent, mais bon. Alors, au niveau de ces trucs-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Seuil de fabrication, les armes. On va garder un seuil maximum de 10. Voilà. Donc, on va armer nos gardes, dans un premier temps. Et il me semble que j'ai remis des gardes aussi, voilà, 10%. Donc, on va les armer, et ensuite, on va augmenter... On va laisser la production d'armes à 10. Comme ça, tout le monde pourra venir piocher des armes dans l'arsenal qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Voilà. Les 10 armes seront stockées ici. Et si vraiment un jour ça craint, et bah, il faudra qu'on augmente le nombre. Et surtout, éventuellement, voir s'il n'y a pas moyen. Je pense qu'il n'y aura pas moyen de changer ceci pour mettre un... centre de... Ah, par contre, on pourrait le changer là. Ce qui voudrait dire qu'il nous faut une autre usine à bioplastique. Et je me dis qu'on pourrait peut-être la faire là. Voyons ça tout de suite. Alors, usine. Ici. Et au final, les deux usines sont quasiment... sont assez proches du... Voilà, donc tous les ouvriers travaillent un petit peu de leur côté et ont leur... Ouais, ça peut être pas trop mal. En attendant, on a énormément d'amidon. Est-ce que c'était nécessaire d'en mettre autant? Je ne sais pas. Nous avons de nouveaux arrivants. Encore un chac, donc Kenya, biologiste et... LP Blackwell. Donc Lionel Peter. Non. Ah non, c'est une femme. Donc Lena Paul. Paul, ça peut être un prénom féminin aussi. Donc Lena Paul Blackwell, ingénieur. J'aime bien. Bienvenue à vous sur la base F50. Alors il faut... ouais, c'est bien. On a quand même des biologistes en plus. Qui vont permettre de faire plus de nourriture. Et du coup, je me dis que je peux peut-être me permettre de rechanger ici. Surtout les structures qui ont presque rien. Hop, celle-là va aller à zéro, c'est parfait. Et celle-là... Voilà, celle-là, elles ont presque fini. Donc pour l'instant, on ne leur met rien. On va juste se remettre deux tomates ici. Une salade là. De manière à produire plus. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de produire plus, parce qu'on est quand même à 17 là. C'est peut-être le fait d'aller approvisionner ici. Et il n'y a pas loin quand même, hein. Pas abusé.
Donc ce serait bien. Allez hop, on va détruire celle-là du coup. Ça va pas être rangé comme je veux, mais on s'en fout. On a quand même le retour de nos 4 structures en production rapide. Pour permettre d'augmenter plus vite le nombre de repas au cas où. Voilà, sachant que cette structure reste prioritaire, ça reste quand même pas mal. Donc au niveau des pièces détachées, on a l'air de s'en sortir pas trop mal. Et pourtant... Ah si, on l'a remis prioritaire. D'accord. Je me dis qu'on peut relancer aussi... Alors, au niveau des armes, je sais pas où est-ce qu'on en est, mais ça fabrique. Donc je me dis que là, si ça fabrique... Oh, 2 d'un coup! Ça va être très bien. C'est là... Ah, on en a qu'un qui est armé pour l'instant. Donc ouais, la fabrication d'armes est extrêmement lente à prendre en compte. C'est bien, c'est mis au travail assez rapidement. Raphaël Kane va nous terminer, nous en terminer une. Je sais pas s'il va la terminer tout de suite ou pas. On va regarder ça maintenant. Ouais, je pense qu'il va la finir. Un vaisseau marchand, ça a l'air d'être de la nourriture, c'est parfait. On va pouvoir lui acheter. Oh, tu prends cher, vilain. C'est pas gentil. On va prendre des boissons aussi pour qu'il puisse se détendre. Et on va lui prendre la viande. Si éventuellement on peut pas... Ah ouais, on va pas pouvoir monter très très haut. Pouvoir monter que jusqu'à 100, voilà. Donc on va revendre la bouffe, la boisson, et on va monter comme ceci jusqu'à 150. Ok. Donc on n'a pas exactement ce qu'on voulait, mais ça va. Et il nous faudrait plus de... Alors c'est le problème, c'est que ça produit pas extrêmement vite non plus. Et vu qu'en ce moment, on a besoin de beaucoup de commerce, ça reste le problème. Donc l'épisode arrive à sa fin, et on va avoir notre usine ici. Et on avait dit, il me semble, qu'on voulait remplacer ceci par un centre de contrôle où il y aura justement les armureries. On va supprimer l'armurerie qui est là. Ouais, je suis bête, j'aurais peut-être pu la laisser du coup. Et on va. On va supprimer ça aussi. On va profiter que tout le monde est dehors pour qu'ils puissent ramener des choses. Nous voici avec des nouveaux colons. Alors, on voit que le moral est pas top top non plus, hein, parce que c'est des petits vaisseaux à chaque fois. Mais bon, si on peut en avoir deux. À chaque volet, ah non, un seul, et c'est un ingénieur, John Galloway. Galloway, ouais, ça m'a l'air bon comme prononciation. Voilà, donc on a plein de métal, de bioplastique et d'amidon stocké ici. Ça va nous permettre notamment d'aller fabriquer plein d'armes et éventuellement lancer la fabrication de robots. Moi, je me dis que ça peut être pas trop mal. Par contre, il va falloir très rapidement qu'on refabrique les... Je sais pas du tout, par contre, ce qu'il faut pour fabriquer... Il faut du métal. Donc ça va. Mais le bioplastique en lui-même, faudrait pas qu'il soit trop utilisé tout de suite, parce que sinon on va pas pouvoir reconstruire la structure. C'est surtout ce qui m'inquiète. Ah bah si, le bioplastique est là, d'accord, donc au final si la structure pourra être construite. On avait dit centre de contrôle, donc ça il faut qu'on le programme avant la fin de l'épisode, sinon je vais complètement zapper. Même si je note. Je vais me dire, j'ai noté mettre un centre de contrôle, mais je sais pas où. Ok, donc en termes de réparation, on n'a pas trop de trucs en panne, je revérifie quand même hein, de temps en temps. Notre bien-être est génial. Pff, nos accumulateurs sont pleins.
on ne manque absolument de rien. Donc à partir du moment où tout fonctionne correctement, je me dis qu'on peut dépenser un max d'énergie, on s'en fout, il y a toujours ce qu'il faut. Donc ouais, du coup, la production de robots porteurs peut être assez sympa. Et on va pouvoir relancer illico presto les transformateurs pour faire du bioplastique. Tac, 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 et tac. Ok, et cette structure, bien évidemment, pour l'instant, placée prioritaire. Et voilà, c'est terminé. Tout est relié, tout est connecté, parfaitement parfait. Alors, combien de gardes on a? Qu'on soit d'accord, on est à 3 gardes et ils sont tous les 3 armés. Pour être sûr qu'ils soient dans les environs si on se fait attaquer, on va leur mettre des trucs comme ça. Si on fait un deuxième centre de contrôle, ce sera dans ce centre qu'on mettra éventuellement les trucs pour le télescope et tout ça. Et je me dis qu'on pourrait peut-être le programmer maintenant, ça les ferait venir chercher ça. Ok, donc ça fabrique, c'est génial. Alors, où est-ce qu'on pourrait le mettre notre télescope? Moi je me dis que par là, vu qu'il y a les panneaux solaires, etc. On pourrait le mettre par là, c'est le genre de structure qui s'abîme pas, donc il peut être loin. Et c'est le genre de structure qu'il faut faire en grand si on veut pouvoir... Alors, détecter... Les météorites, on s'en fout, puisqu'il n'y a pas de météorites sur cette planète. Mais par contre, ouais, détecter les tempêtes, ça peut être sympa. Et moi, je me dis qu'on peut en faire un deuxième, parce que deux, c'est toujours mieux. Le problème, c'est que ça doit être utilisé par des ingénieurs. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faudra plus d'ingénieurs, déjà au moins deux, pour utiliser les deux télescopes qu'on a là. Et du coup, on va arrêter cet épisode sur l'accueil de ces colons. Et j'aimerais bien pouvoir faire ma structure là, mais c'est pas grave. Un nouvel ingénieur exceptionnel. Brady Marshall. Alors, ma prononciation comme dame est absolument affreuse, mais c'est pas grave. Oh, un ingénieur. Hank McKay est en train de fabriquer un robot porteur. Alors, on peut pas fabriquer d'autres types de robots puisqu'on n'a pas les brevets pour ça. Ah, dommage, j'ai recliqué dessus, du coup ça recommence au début. Zut, j'aurais pas dû cliquer. Ah, quel crétin! Bon bah, du coup, on aura un robot porteur, mais plus tard. Et l'autre a fourni un travail assez acharné, un peu pour rien aussi. Je suis désolé. On continue de produire des armes. Je me dis ouais que les robots porteurs, ça pourrait être vachement utile pour leur enlever des charges, genre quand il y a du commerce, des trucs comme ça. Alors, épisode un peu plus long, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit le plus rapide possible. Je veux juste construire ma structure, enfin programmer la structure là, mais il faut qu'ils enlèvent. Faut qu'ils enlèvent ce qu'il y a là, sinon je peux pas. Donc là, on va fabriquer les deux. Dans celui-là, on va fabriquer les deux. Les deux postes de contrôle pour les télescopes, plus toutes les armureries. On se dit que tous les gens en fait vont arriver, vu que les entrées sont situées ici. Les gens vont d'abord courir là-bas, prendre une arme, pour aller ensuite péter la gueule aux méchants. On va revendre les amidons à lui, comme ça, contre de la nourriture.
Voilà, donc les amidons, tu viens me les chercher là, tac. 45. Alors, tac, 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 50, et on va te mettre un comme ça. Donc 55, et tu vas nous redonner des crédits. Hop, c'est parti. Donc, du coup, au moins, ils vont venir me dégager ça. Wow! Arrivée de colons. On va peut-être se calmer sur les colons. Oh, ça va. Et nous avons un garde. Wilbur Werner. On va dire comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et Luc Coffey. Coffey, Coffey. On ne sait pas. Mais c'est pas grave. Bienvenue à vous sur la base F50. Merci d'être là. Donc il va nous refalloir une arme, d'ailleurs, pour notre garde. Mais bon, ils sont trois à être armés. On attend les visiteurs. D'ailleurs, je pourrais les activer. Mais sachant que la plupart ils viennent pour manger et tout ça, ça va être compliqué. Et par contre, ce à quoi je suis en train de penser, c'est qu'on peut rajouter vite fait une antenne, une seule. Et même limite, on peut la faire petite, mais on va la faire grande quand même. On va la faire petite, pourquoi? Pour pouvoir communiquer avec de futurs visiteurs. Des gens blessés, voilà, qui viennent de l'espace, machin. Donc histoire de faire marcher aussi nos infirmeries. Alors il va falloir qu'on arrête aussi de vendre nos médocs pour ça. Et il faudrait aussi surtout qu'on arrête de... Alors centre de contrôle ici, est-ce qu'on peut le faire grand? Yes. Alors, malheureusement, je ne peux plus le relier. Ah, dommage. Je peux plus le relier comme il était ici. C'était là, de toute manière. Donc, on recommence. Hop. Donc, centre de contrôle grand. Ah, le seul endroit avec lequel on peut le relier, c'est ici. Bon, bah, tant pis. On va retirer un truc de bouffe. Et on va faire ça. Et du coup, on peut s'arrêter sur cet épisode. Hop. Donc tout ce qui est fait à partir de maintenant ne sera pas sauvegardé. On s'arrête ici. Et on quitte la partie. Moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode suivant. Allez, salut!